Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette, un petit crumble de légumes et du poulet chorizo emmental. Donc, c'est parti pour cette petite recette que j'adore faire en automne. Donc, pour ce crumble, il vous faudra des courgettes. Donc, j'en ai présenté 3, mais finalement, j'en ai utilisé 2. Une petite aubergine, un oignon, 1 kg de tomates à peu près. Il faut des épices. Moi, j'ai mis du thym, du basilic, du parmesan, des pignons, un poivron, huile d'olive, farine et du beurre. Voilà à peu près. Après, vous mettez les légumes que vous voulez au final, mais c'est à peu près les légumes de base. Ça consiste à découper tous les légumes en petits dés. Alors moi, je les coupe en petits dés parce que je préfère. Et voilà, je les place tout ça dans une passoire. Après, vous coupez les légumes comme vous voulez. Donc là, je m'occupe d'abord des courgettes. Ensuite, le petit poivron, vous pouvez ne pas mettre de poivron, j'ai fait la version sans poivron également. Les tomates. Donc moi, voilà, je coupe vraiment tout en petits dés, mais vous coupez vraiment comme vous voulez. Et ensuite, on finit par l'oignon. Donc moi, j'ai fait cette recette pour la vidéo avec le cookéo. Donc j'ai mis sous le mode doré, donc avec un petit peu d'huile d'olive, et j'ai mis les oignons à faire revenir. Vous pouvez très bien le faire à la poêle, mais là j'avais vraiment envie de tout faire cuire sans m'en préoccuper. Donc voilà, j'ai fait revenir les oignons et après j'ai versé tous les légumes à l'intérieur du cookéo et j'ai fait tout cuire. J'ai tout mélangé en fait. J'ai versé de l'eau pour que ça recouvre un petit peu les légumes et j'ai tout fait cuire sous pression pendant 10 minutes. Et voilà, comme ça, j'avais vraiment pas besoin de m'en préoccuper. Pendant ce temps-là, je viens préparer la pâte à crumble. Donc, je fais mettre dans un bol 60 g de parmesan, 40 g à peu près de pignons, mais moi j'en mets un petit peu plus parce que voilà, j'aime bien ça les pignons. 150 g de farine, donc j'ai tout mélangé. Et par contre, là, effectivement, 100 g de beurre en petits dés qu'il faut venir faire ramollir un petit peu à l'avance. Et après, eh bien, on vient malaxer tout ça à la main. Oui, c'est pas très très glamour, mais c'est assez efficace. Le cookéo a fini de cuire. Et du coup, je viens ouvrir et les légumes sont cuits. C'est magique. Vous pouvez tout faire à la poêle, ça prend un petit peu plus de temps et il faut surveiller. L'avantage du cookéo, c'est qu'on ne surveille pas et ça cuit tout seul. Là, il est resté de l'eau, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai égoutté mes légumes. Et puis j'ai tout versé dans un plat à gratin. Donc voilà, j'ai essayé de mettre le moins d'eau possible parce que c'est vrai que les légumes ça rend quand même un petit peu d'eau. Donc voilà, le tout dans un plat à gratin, sans graisse ni rien du tout. Et après, une fois que tout est rempli, ça remplit bien le plat. Et bien on va mettre la pâte à crumble par-dessus. Franchement c'est super simple et c'est super bon. Et là ça m'a tenu bien toute la semaine au niveau des repas. Voilà, on étale bien la pâte à crumble en en mettant un petit peu partout parce que sinon ça n'est pas drôle. Et puis j'avais préchauffé mon four à 180 degrés et du coup je viens enfourner tout ça dans le four pour entre 25 et 30 minutes à peu près. Voilà, le four est parti. Et pendant ce temps-là, je prépare la viande. Alors, on peut manger le crumble comme ça, mais moi je fais donc des petits blancs de poulet avec du chorizo, des tranches d'emmental ou de l'edam, peu importe, et de la crème fraîche. Donc je viens couper mon blanc de poulet en deux. Donc prenez des blancs de poulet assez gros quand même, et assez épais pour pouvoir faire cette recette. La première fois que j'alliais les deux, et je trouvais ça assez sympa. Ensuite, on va prendre une tranche d'emmental qu'on coupe en deux, et on met un petit bout de chaque côté du blanc de poulet. Et on vient prendre des bouts de chorizo qu'on vient placer d'un côté et je viens refermer le blanc de poulet pour faire un petit sandwich. Et donc j'ai fait ça avec 3 blancs de poulet. Après, on vient faire cuire une poêle et sans matière grasse, j'ai carrément mis directement le blanc de poulet dans la poêle. Donc j'ai mis assez fort pour que ça puisse bien saisir et bien dorer. Et n'hésitez pas à laisser bien cuire un peu longtemps. Moi, c'est ce que j'ai fait cuire. Donc voilà, une fois que c'est doré, vous retournez. Et après, il faut vraiment que le blanc de poulet est quand même assez épais, donc vérifiez bien que ce soit bien cuit à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire avec un couvercle. Et ça fait compoter un petit peu et c'est vraiment pas mal. Et à la fin, ce que je fais, c'est que je rajoute, je suis un peu en avance, mais je vais rajouter un petit peu de crème fraîche. Voilà, ça,
Le chorizo, tout ça, l'emmental, c'est un peu fondu. Et j'en rajoute un petit peu de crème fraîche pour créer une petite sauce. Voilà, justement, juste à la fin de la cuisson. Et puis, bah, j'ai enlevé du feu tout simplement et j'ai gardé la sauce. Et pendant ce temps-là, bah, le crumble avait fini de cuire. Voilà, le résultat du crumble à la sortie du four. Il est tout beau, tout cuit. Donc, ça se congèle super bien. Enfin, moi, je trouve. Donc, le crumble reste pas croquant comme ça longtemps, mais c'est super bon. Et moi, du coup, bah voilà, le résultat, quand je le mange, petit crumble et je me fais un demi blanc de poulet. J'espère que cette recette vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous permets d'aller voir d'autres petites vidéos si ça vous intéresse. Et bah allez vous abonner si eh bien, ces vidéos vous ont plu. J'espère en faire d'autres d'ici la fin de l'année. Des petites vidéos de recettes, on m'en avait demandé. Donc voilà, à la semaine prochaine.